Bien sûr, pour l'Europe, c'est le réveil. Il est brutal, mais il y a réveil. L'Europe est née pour un autre monde. Un monde qui a cru, comme Benjamin Constant, que la fin, l'âge de la guerre était terminé et que l'âge du commerce commençait. Et nous nous réveillons brutalement de ce monde où le tragique est de retour, la guerre est de retour, le rapport de force archaïque. Nous avons affaibli notre souveraineté. Nous avons affaibli nos capacités de puissance. Il faudra restaurer la souveraineté. Souveraineté alimentaire au moment où un programme européen voudrait diminuer notre production. Farm to fork. Il faudra restaurer notre souveraineté énergétique au moment où Tant avait voulu nous faire quitter justement l'énergie nucléaire qui assure notre souveraineté. Il faudra aussi rappeler aux juges européens, avec la directive sur le temps de travail appliqué à nos militaires, que là où il n'y a pas de transfert de compétences, il ne saurait y avoir de primauté du droit européen. Et puis restaurer, penser pour nous seuls et non pas avoir cette sous-traitance déléguée aux Américains de notre sécurité. Penser notre sécurité, la puissance pour nous les Européens, avec les Britanniques sans doute, avec ce pilier de l'OTAN, et puis aussi avec des grands programmes d'armement. Je ne crois pas à une armée aujourd'hui européenne. Par contre, il y a un chemin qu'il faut qu'on entreprenne. Et enfin, et pour conclure, mes chers collègues, je pense que faire le choix, penser la puissance, c'est écarter de façon définitive, pour le moyen terme, les perspectives fédéralistes. Elles ne peuvent qu'affaiblir le seul instrument de puissance que nous avons aujourd'hui en Europe, qui sont les nations. Les nations qui sont les dépositaires de la volonté des peuples. Qu'est-ce que nous montre l'Ukraine? C'est que la guerre, c'est un choc des volontés. Et que depuis Périclès, il n'y a pas de meilleure arme que la volonté des peuples. Et que la volonté des peuples, au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, réside dans les nations qui peuvent coopérer. Mais c'est si fondamental. Alors oui, pour conclure, ce que je veux dire ici, solennellement ce soir, dans cet hémicycle du Sénat, c'est que le président de la République a eu raison de qualifier cette guerre de tournant historique. Mais dans ce tournant historique, il peut y avoir un chemin français. Ce chemin français, ce sera le chemin de la liberté, le chemin de la souveraineté, le chemin de la nation, parce que c'est l'histoire de France, parce que c'est la France dans l'histoire, et parce que c'est ce que demandent à corps et à cri, les armes à la main aujourd'hui, les Ukrainiens, le peuple ukrainien. Un jour, Malraux, que vous connaissez, que vous lisez, Monsieur le Premier ministre. Malraux avait dit « La France n'est la France que lorsque elle porte une part de l'espérance du monde ». Eh bien oui, aujourd'hui, la France porte aussi une part de l'espérance du monde, ou plutôt une part de l'espérance ukrainienne. Aujourd'hui, mes chers collègues, nous sommes tous ukrainiens. Alors oui, vive la République, vive la France, et surtout, vive l'Ukraine libre! Ouais.